Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour un tout nouveau weekly vlog. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Put the mask over your nose and mouth and breathe normally. Tu m'excuses, je suis dans mon hôtel à Marrakech. Nous sommes actuellement le... Là, ça va être très compliqué pour moi parce que il faut que je te tourne le parler du vlog des vacances à Nice. J'ai très très peu filmé, mais j'ai quand même filmé. Mais du coup, j'ai filmé sans parler, vois-tu. Mais je t'explique ça dans le vlog en question. Mais du coup, on est déjà plusieurs jours après parce que nous sommes le mardi 24 septembre. Et je n'ai pas encore fait ça, du coup. Il est 19h33 et là je commence déjà le vlog à Marrakech. Voilà, parce que nous sommes arrivés hier soir et je te propose du coup tout de suite là maintenant des petites images que j'ai filmées jusqu'à présent et je te reprends après. Voilà, on va faire le room tour, je vais te montrer l'hôtel. On a fait la première journée aujourd'hui, c'était cool, on n'a pas fait grand chose, mais je te prends après les images pour te raconter tout ça. Je me tâte à faire une petite virée en montgolfière. J'avoue que le prix me freine un peu, mais je me dis potentiellement c'est la seule fois de ma vie, peut-être que je viendrai à Marrakech et que je ferai de la montgolfière. C'est la luminosité qui est pas bonne YouTube, hein. C'est pour ça que j'ai une saleté. Moi, en même temps, on a passé la journée au bar de la plage, enfin de la plage, il n'y a pas de plage, mais de la piscine. Mais ouais, la montgolfière, j'aimerais, et j'ai regardé là pour booker les jardins Majorelle, donc d'Yves Saint Laurent, mais c'est tout plein, donc à voir, enfin à voir, non, je vais encore mieux regarder sur d'autres sites, mais sur le site Get You Guide que j'ai regardé, c'était plein, donc voilà. Bon, après c'est des jardins, moi j'aurais bien aimé, mais c'est vrai que le mari ça l'intéresse pas forcément, donc à la limite si on le fait pas, c'est pas très très grave, mais voilà. Bref, je te laisse avec les images que j'ai déjà tournées, parce que sinon on va encore parler et ce vlog va durer 10 ans. Ou pas du tout, ça dépend ce que je filme, parce que ouais, là je suis vraiment en vacances, tu vois. Clairement, ça fait très longtemps que j'ai pas pris ma caméra pour te parler. La dernière fois vraiment que j'ai parlé face cam, bah je crois que c'était pour la vidéo All Action. Je sais pas du tout dans quel sens je vais mettre mes vlogs. S'il le faut, là, on est, comme je t'ai dit, le 23-24 septembre, on est quand? On est qu'il n'y a plus la date. Ah, je suis pas fan de cette mise à jour iPhone, hein. Il y a des choses qui disparaissent des fois. Ah ben oui, mais c'est quand tu charges, il n'y a plus la date. D'accord, ok. On est le 24 septembre, ça se trouve, tu auras cette vidéo le 15 octobre, quoi, tu vois. Le 28. On ne sait pas. Bref, je te laisse avec les images. Et après, peut-être pas après ce soir, mais après, dans l'absolu, je te montrerai l'hôtel, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, les vacances YouTube, c'est les vacances. Donc voilà, j'en profite. Des bisous YouTube. Haven't seen you in a while. I never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast. Why don't we slow down? Yeah. Moving just like we used to. Baby, it's time to let loose now. Step back, deep breaths now. Before things get out of control. I hope you really like me. I want it to be you and me. I wanna give it all to you. I can show you if you stick around, yeah. All I need is one night to change your mind. Wait until the morning before you get out of here, yeah. Baby, we need more time, yeah. More time to change our lives, yeah. We could be the greatest if you just give us a chance, yeah. You
always been on my mind. Ever since I left your side. Yeah, I regret it all so much. I hope you forgive me, yeah. Don't even care what they're saying. We got this bond, so let's face it. Looking different now, so maybe this time things will work. I hope you really like me. I want it to be you and me. I wanna give it all to you. I can show you if you stick around, yeah. All I need is one night. One night to change your mind. Wait until the morning before you get out of here. Change our lives, yeah. We could be the greatest if you just give us a chance, yeah. Can we just stop fighting one time, one time? Can we just stop fighting one time, one time? Can we just stop fighting one time, one time? Yeah, and have a good life. Can we just stop fighting one time, one time? Can we just stop fighting one time, one time? Can we just stop fighting one time, one time? Yeah, and have a good life. Really like me. I want it to be you and me. I wanna give it all to you. I can show you if you stick around, yeah. All I need is one night to change your mind. Wait until the morning before you get out of here, yeah. Yo YouTube, nous sommes le jeudi 26 septembre, il est 15h24. Nous partons pour visiter Marrakech. Enfin, visiter, c'est un grand mot parce qu'on y va juste l'après-midi. Et on va rejoindre des amis qu'on n'a pas vus depuis très très longtemps qui sont sur Marrakech aussi, donc voilà. Sinon actuellement quand je filme, je n'ai toujours pas fait le retour de la chambre, il va peut-être falloir que je le fasse avant qu'on parte. Mais repos et lecture, parce que j'ai quasiment fini mon deuxième livre, je t'en parlerai aussi. Mais voilà, j'ai trop hâte de te partager tout ça et j'ai encore plus hâte. Je stresse un peu pour tout te dire, mais j'ai encore plus hâte de t'emmener avec nous demain matin. Voilà, je réserve une activité qui, je pense, va être très 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 cool. Voilà. Bah écoute, c'est parti, on y va. Let's go. We'll be right back.
hyper tôt, tu me vois pas très bien YouTube. Il est 6h47 et nous partons pour une expédition en montgolfière. J'ai trop hâte. J'ai un peu peur quand même d'avoir le vertige, je dois le dire, mais j'ai très hâte, j'ai très hâte. Regarde-moi YouTube, ce lever de soleil magnifique. Sublime. Bon, a priori, on va louper du coup effectivement le vol au lever de soleil en montgolfière, mais il n'y avait qu'une option à choisir ce matin. Mais ça va être très très bien. Et c'est magnifique, c'est sublime. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. À mon YouTube avant d'être en PLS total. C'est hyper beau cette histoire quand même. Et je pense du coup à Sab de Frenchway qui l'a fait il y a quelques mois maintenant. C'est un peu elle qui m'a donné envie quand même. Même si j'ai un peu le vertige. Oui, c'est saugrenu. Écoute, c'est saugrenu. On en parle de la tête de fatigué. Mec en vacances depuis 15 jours fatigué. Bref, santé. I can't help but dream. Filled with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure. No, not like yours. Your sweetness could reach everyone, there'd be no wars. Get over you, I'm losing my mind.
all of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I. And I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. So just to remind, when we land on this edge. So we arrive this way. Tard que jamais, on part demain, donc nous sommes le même jour de la Montgolfière. Il est actuellement 18h23, je sais pas si tu verras quelque chose, non. Je te montre pas ma tête parce que je rentre de la piscine et puis bon, hein, voilà quand même. Et qu'est-ce que je veux dire, bah room tour, c'est parti. Donc là nous avons des baies vitrées, j'essaye de bien cadrer, tu vois, pour pas que tu me vois. Ah oui, il est coquin. Nous avons donc le coffre-fort que j'ai ouvert. Je te conseille évidemment de mettre tous tes papiers, les choses de valeur, etc. dedans, les passeports, tout ça, tout ça. Évidemment, il est fermé, hein. Là, je l'ai ouvert, j'ai pris ma caméra. Ici, la salle de bain, donc les toilettes. La grande douche, voilà, qui donne sur le salon. Et le lavabo, évidemment, avec bah, les petits produits que j'ai sortis, bon, bah, le parfum Nox,
D'ailleurs, n'hésite pas hein, si jamais tu es intéressé. Comme tu peux le voir, je l'ai bien entamé. Celui-là, c'est le numéro 923. Il va falloir bientôt que j'en rachète. Tu connais Panox, ce sont les parfums dont je t'ai parlé dans quelques vlogs en arrière. Donc j'ai la chance de collaborer avec eux. C'est des très très bons parfums d'équivalence qui sont en fait comme des dupes, on va dire, de parfums de grandes marques. Et j'ai un code de 15% si jamais sur le site. Il est toujours en barre de description. Et je t'invite aussi à me suivre sur Instagram parce que parfois il y a des offres un peu plus intéressantes. Là, il y avait 25% ces jours-ci. Bref, voilà donc mes petits produits, j'ai pris le make-up, mais c'était surtout parce que la semaine dernière on était à Nice, ma petite trousse avec mes colliers, mes bracelets, tout ça, voilà, et style, il est trop bien, ça fait pas de focus, on n'a pas le temps, mais il est trop bien, évidemment, hein, de l'eau, on a pris de l'eau minérale plate au bar, mais c'est pour se laver les dents, parce que cette chose-là qui coule, on va éviter, et puis bah, j'avais pris des masques, hein, donc tu comprends bien que j'en ai fait aucun, voilà. Par contre, moi je suis jaloux de cette douche. Voilà, clairement, je veux cette douche à la maison. Elle est immense. Elle est immense. On continue, petit coin bureau. Voilà, si on veut bureauter avec bah, nos certificats de vol d'aujourd'hui avec nos noms, du coup. Donc, je suis trop content. Moi, j'adore. Je suis trop content. Je sais pas si on peut prendre les tasses, non. c'est pas cadeau. Nicolas, calme-toi. Donc, le salon. Voilà. Le salon avec deux banquettes extrêmement confortables, donc ils peuvent faire des couchages aussi. Il y a plein de prises partout. Je te conseille quand même de prendre une multiprise quand tu pars en vacances, comme tu vas voir à l'étage. Oui, parce que nous avons un étage. Donc deux banquettes très spacieuses, très agréables. Autant te dire que le premier soir, je me suis endormi là en fait. Je me suis dit, allez, je me pose 5 minutes et ben je me suis endormi. Et petit tableau, donc la place Jemaa el Fna en haut. Je te reparlerai de la visite de Marrakech en rentrant à la maison, je pense. On fera un petit feedback de tout ça. Petite terrasse, donc petit balcon, hein, voilà, avec deux chaises. Alors la vue, pas ouf, ça donne sur une route derrière. Mais assez calme quand même, je dois dire. Et évidemment, voilà l'étage. Donc nous allons monter. Si jamais, oui, mes pieds sont un peu noirs parce que mes chaussures hier, mes sandales ont, comment on appelle ça, déteint. Et voilà l'espace chambre, donc qui donne sur la grande fenêtre. Là, j'aime beaucoup le luminaire qui donne en bas. Attention, c'est le vertige. Dis donc, ce vlog, c'est le vlog du vertige. Un grand lit, mais le confort de ce lit YouTube, je t'en parle même pas. Chaque jour, il y a eu un pliage différent, donc c'est très mignon. Voilà, donc très grand lit, avec les petites lampes qu'on aime bien pour lire. Très sympa, j'adore aussi toutes ces lampes-là. Il y en avait plein dans la Médina, dans le souk hier, c'est très joli, j'aime énormément. Un tableau de coucher de soleil, de musicien. Non, pas un musicien. Là, ce sont des personnes, alors j'ai pas leur nom, qui distribuent de l'eau, en fait, sur la place Jemaa el Fna, si jamais. Alors, en tant que touriste, je te déconseille de prendre de l'eau, n'est-ce pas, parce que c'est de l'eau d'ici, en fait, du robinet. Mais voilà, avec en tenue traditionnelle, etc. Encore un bureau pour bureauter, si tu veux. Une télé qu'on n'a pas du tout allumée. Et là, une deuxième salle de bain avec donc une baignoire qu'on n'a pas utilisée parce que pas envie de prendre de bain. Tu imagines bien, qui donne bah, sur des toits. Voilà, des toits et des tuyaux. Voilà, bon, on a investi un peu les deux salles de bain. Hein. Voilà, et puis bah, un deuxième toilette qui est très sympa. Et un bidet, on ne sait jamais. Et là, une vue, bah pareil, qui donne sur les toits. Mais très sympa quand même. Bon, allez, je te montre quand même un petit peu ma tête. Toutes ces fenêtres et ces ouvertures, ça fait vraiment que c'est rafraîchissant. Et du coup, on respire, tu vois, parce qu'il n'y a pas de clim. J'ai pas vu de clim, ce qui est très bien d'ailleurs d'un point de vue écologique, parce que la clim, c'est un peu catastrophique quand même. Je vais tenter YouTube de regarder quand même où je mets les pieds et de pas me casser la gueule en direct, tu vois. Enfin, en direct, on sait pas trop, parce que potentiellement, tu auras vu le vlog de Nice avant celui-là. Mais là, à l'heure où je te parle, bah, j'ai pas encore fini de le filmer, parce qu'il y a toute la partie où je parle et où je suis censé te raconter les choses que j'ai pas encore tourné. Je pensais la tourner cette semaine ici, mais en vrai j'ai profité, oh là là, la sac. Je disais, mais en vrai j'ai profité de ne rien faire, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais surtout, je suis toujours un peu comment,
pas stressé, mais dans l'expectative que mon logiciel ne marche pas. Donc en fait, c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup filmé, parce que je me dis, filmer pour que je passe des heures au montage et que ça fonctionne pas, ça m'aurait saoulé un peu. Mais bon, au pire des cas, j'ai quand même un peu filmé les images que tu auras vues, que tu vois là, et que tu auras vues potentiellement dans le vlog de Nice. Et j'ai aussi filmé pour moi, pour me faire des souvenirs à moi, au pire des cas. C'était sublime la montgolfière. Je sais pas si je te fais un petit feedback maintenant ou pas. Mais c'est à dire que j'aurais aimé être un peu plus apprêté quand même, tu vois, pour te parler, parce que là, clairement, il fait chaud. Il fait chaud, je ressemble à rien. Ça fait une semaine. Non, on est vendredi. Ça fait 5 jours, YouTube, que je me suis pas maquillée, que je fais mes soins normaux, mais que j'ai pas fait de masque, etc. Ma peau commence à être un peu, pas en souffrance, mais elle se dit What are you doing? Donc, je sais pas si je fais un petit feedback maintenant, mais en tout cas, j'espère que les images t'ont plu. Non, je te ferai un feedback plus tard. Ouais, comme ça, je vais en rentrant, je te ferai ça en rentrant à la maison. Comme ça, je vais penser à toutes les choses que j'aimerais te dire sur ce séjour. Et je vais te les dire en une fois, ça va être peut-être un peu mieux, je pense. Qu'en penses-tu? Par contre, c'est vrai que du coup, tout ce que j'ai filmé jusqu'à présent, ça sera tout en musique. Donc, j'espère que t'aimes les parties musicales, quoi. Puis au pire du cas, si t'aimes pas, hein, ma foi, de toute façon, je vais pas refaire les choses, quoi. J'avais besoin vraiment aussi de poser la caméra. Je pense que là, par contre, je vais faire les valises. Je vais refaire mon sac parce que j'ai tout rangé dans l'armoire en haut. Parce qu'on part demain matin. Ça me fait du bien, vraiment. En vrai, c'est les premières vraies vacances depuis... C'est la première fois où on repart aussi loin depuis le Covid, en fait, je crois. Clairement, il me semble que c'est ça. Donc ça commence à faire un petit bail. Bref, YouTube, je te laisse. Je te fais des bisous. Bon, YouTube, c'est la première fois que je te prends au restaurant. Je suis joie. Donc c'est le dernier soir. Ce soir, c'est soirée marocaine. Il y a un show, en fait, j'imagine, avec de la danse, etc. Et au buffet, c'est que des spécialités marocaines. Dans la semaine, il y a eu des choses marocaines, orientales, etc. Aujourd'hui, il y a eu le premier couscous à midi. J'étais trop content parce que je mourais d'envie d'avoir un couscous. Et il y a eu beaucoup de tagines, elles étaient très très bonnes. Mais là, il n'y a que des spécialités marocaines. Donc, je suis trop content. Voilà. Il fallait que je le dise, je suis trop content. Donc, tagine de boulettes de bœuf. Excusez la prononciation si jamais, mais chachouka. Ce truc de poulet là. J'ai vu le nom tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Pastilla, je suis plus sûr. Et là, c'est des petits sandwichs comme ça. Et puis après, je pense que je vais me laisser tenter par un petit peu de couscous et puis les desserts. Voilà. Crazy for love.
7h01, heure locale, donc 8h01 pour toi YouTube, en métropole, en France. On vient de faire le check-out de la chambre. J'ai un peu mal dormi cette nuit. J'ai un peu hâte de rentrer à la maison pour me refaire une gueule parce que là, clairement, je ne te respecte plus. C'est de plus en plus blanc ici. On adore, tout va bien. Donc, on va partir pour l'aéroport. Donc voilà, c'était pour te faire le petit coucou, le au revoir à l'hôtel que finalement je ne t'ai pas montré. Ça s'est passé trop vite, YouTube, c'est ça. Et puis bah c'est tout. Voilà. Donc on se retrouve dans l'avion plus tard. Des bisous. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes plusieurs jours après du coup ce vlog, plusieurs jours donc après le retour à la maison et je viens de finir le montage jusqu'à présent et je ne t'avais pas fait la partie un petit peu feedback etc. Nous sommes actuellement le jeudi 10 octobre, ce vlog est censé sortir vendredi, c'est-à-dire demain, donc il faut que je le fasse. Je te montre tout de suite ce que j'ai ramené déjà de Marrakech, clairement pas grand-chose, parce que, je t'en parle dans la suite, on n'a pas fait du tout du shopping dans le souk et dans la Médina, dans Marrakech et à l'hôtel, etc. J'ai juste acheté un magnète, en fait, que je te montre tout de suite quand même. Voilà, j'ai juste acheté ce magnète là, comme ceci, avec la main de Fatma, et ces couleurs qui sont magnifiques, que j'aime beaucoup, qui me fait un peu penser aussi à l'œil de protection, n'est-ce pas? Avec marqué Marrakech ici, voilà, j'ai payé ça 4€ à l'aéroport, voilà, clairement, mais je voulais ramener un petit truc pour mettre sur le frigo, et à chaque fois qu'on part aussi dans une destination exotique, au-delà de la France ou des parcs d'attractions, etc., je ramène toujours quelque chose qui me fait penser à ce voyage, mais quelque chose, comment dire, d'un peu original, quoi, si tu veux. Donc, on a déjà nos diplômes de vol, parce que oui, nous sommes des explorateurs, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'espère que tu as apprécié le passage en montgolfière. J'ai adoré monter ce moment. C'était sublime, mais je t'en reparle ensuite, dans la suite, quoi. Et donc, je ramène toujours des petites choses que je mets dans des jars, comme ceci. Donc, ça, c'est des jars Yankee Candle, hein. Voilà. J'en ai plus, d'ailleurs. Donc, il faut que je rachète une Yankee Candle pour un prochain voyage. Un jour, peut-être. On ne sait pas. Et donc, j'ai ramené ceci. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un souvenir, bah, du coup, de Marrakech, mais surtout de notre expédition en montgolfière. Bah, c'est tout simplement une pierre, voilà, que tu vois là. Et là, c'est des... alors, je ne sais plus le nom, le guide, le pilote de la montgolfière nous a expliqué. Tu vois, c'est des broussailles, en fait. Enfin, des broussailles, des baies. C'est une plante. On va y arriver avec des épines. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, et donc ça c'est la une, et donc c'est une des plantes typiques que tu peux retrouver effectivement dans toute la partie Maghreb, en fait, donc Maroc, Tunisie, Algérie, etc., Égypte, donc vraiment qui pousse en fait dans des climats arides, mais c'est assez sec. Ce que j'ai trouvé très intéressant, bon, faut que j'enlève l'étiquette derrière correctement, c'est que d'après la légende, paraît-il, ça serait avec ces plantes-là que la couronne du Christ a été faite. Voilà, donc je trouvais ça assez. Assez fort en symbole, que ça soit pour n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, voilà, et puis même pas religion, c'est juste que du coup ça me rappelle effectivement, alors ce n'est pas le désert du Sahara malheureusement, j'aurais trop aimé le voir, mais peut-être une prochaine fois, Inch'Allah comme on dit, mais du coup voilà, c'est pour te montrer ma petite jarre souvenir de Marrakech.
Donc, j'ai ramassé... Alors, je n'ai pas tué une plante, d'accord. C'était par terre, d'accord. Ça n'était pas relié à quelconque racine. C'était sec. Donc, du coup, voilà, j'ai pris une petite pierre et ceci. Je te conseille vraiment, vraiment, vraiment l'activité montgolfière. C'était sublime. Si tu peux, prends le vol le plus tôt. Moi, c'était plus disponible sur l'application Get Your Guide dont je t'ai parlé. Donc, du coup, on a eu le deuxième vol. Généralement, il y a deux vols dans la journée. Un très tôt, genre à 5h30, 6h, je crois, pour, du coup, le lever du soleil. Et l'autre après, sur les alentours de 7h30, 8h. Voilà. Après, il ne vole plus, bah, tout simplement, parce qu'en fait, il fait soit trop chaud, soit il y a des problèmes de pression, justement, avec l'atmosphère, la chaleur, les vents, etc. Mais c'était sublime, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié revoir les images. Globalement, c'est un voyage que j'ai beaucoup aimé. C'était la première fois que j'allais à Marrakech, non pas au Maghreb, mais à Marrakech. Au Maroc, en fait, j'ai déjà fait la Tunisie et Djerba. Et franchement, c'est à refaire. Par contre, petit twist, je pense qu'on y retournera, mais du coup, avec des gens qui y sont déjà allés, pour effectivement mieux connaître, mieux visiter, etc. Voilà, c'était un petit peu compliqué, entre guillemets, compliqué, je me comprends, mais que nous deux, parce qu'on ne connaît pas, et puis voilà, on porte un petit peu sur nous le fait de ne pas savoir, tu vois, donc certaines personnes aiment bien, tu vois, nous embrigader et nous emmener dans des... Est-ce que tu as déjà vu le film Sex and the City, le deuxième, quand ils sont justement au Moyen-Orient et qu'ils se font mettre dans une boutique pour acheter la contrefaçon? Je rigole à moitié parce qu'en fait, à peine on est sorti, à peine on est descendu du bus, donc à Marrakech, il y a un très gentil jeune homme qui est venu vers nous, qui nous a demandé comment on allait, etc. Et puis moi, j'avais plus ou moins déjà compris que, bah, en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne, hein, c'est culturel, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais du coup, c'était un peu un alpagueur, vois-tu. Il commençait à nous dire, oui, venez, je vais vous montrer, etc. Moi, vu que je suis timide, réservé et que j'ose pas parler, tu vois, je me suis dit, bon, bah, le mari va gentiment refuser cette proposition, très fort agréable. Vlatipak, on le suit. Il pensait, oui, allez, on y va. Je dis, non, mais what? On va se retrouver dans l'arrière-boutique de je ne sais où. C'était assez drôle, assez folklorique. Bon, sauf quand on lui a dit, du coup, qu'on était pressé parce qu'en vrai, réellement, on allait rejoindre des amis. Et là, je crois que nous nous sommes fait insulter en arabe. Voilà. Mais bon, écoute, hein, c'est le jeu. J'ai pas non plus beaucoup filmé dans Marrakech même, dans le souk, la Médina, la place Jemaa el-Fna, etc. Parce que, en fait, j'ai cru entendre, il me semble que j'avais vu ça sur une vidéo YouTube, qu'effectivement, il y a certaines personnes qui n'appréciaient pas forcément être prises en photo, même si tu ne les prends pas elles, mais tu prends globalement. Et j'ai pas du tout eu envie, donc du coup, par respect pour effectivement les gens, de filmer comme ça. Mais sinon, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé toutes ces senteurs, etc. C'était... Moi, ça m'a fait voyager. Après, c'est vrai que j'ai trouvé ça très oppressant, parce que beaucoup de monde, très très chaud. Et le petit bémol que je trouve, je pense que ça, c'est typiquement occidental comme réflexion, clairement. Ne me tombez pas dessus, hein, parce que je pense vraiment que genre tout le monde pense la même chose. Mais c'est après aussi une différence de culture, une différence de... voilà. Et même en France, j'aime pas trop quand on fait ça, tu vois. Mais quand à peine tu regardes quelque chose, il y a un vendeur dans un centre commercial ou effectivement dans une petite boutique dans le souk, il y a... viens, regarde et tout. Non, mais je voulais juste regarder, monsieur. Voilà. Et c'est vrai que, bah, en fait, j'ai rien voulu acheter. Il y a plein de choses qui m'auraient plu. De l'artisanat, des souvenirs, etc. Mais YouTube, je suis une quiche, mais vraiment, genre, une quiche en négociation. C'est-à-dire que je ne sais pas négocier. Donc, je me suis dit, évite. Parce que j'ai pas très envie de me faire avoir. En plus, je crois qu'il faut négocier, genre, tu vois, c'est vraiment un contrat tacite entre le vendeur et l'acheteur, mais je sais pas faire, moi. Moi, je sais pas faire tout ça. À part ça, franchement, j'ai beaucoup aimé les personnes qu'on a rencontrées, les personnes qu'on a croisées, que ce soit les chauffeurs, avec, du coup, l'application Get Your Guide pour le transfert à l'aéroport, ou même pour la montagne, c'est n'importe quoi, la montgolfière, hyper, hyper gentil, le personnel à l'hôtel, fantastique. Ça m'a rappelé, d'ailleurs, quand j'étais animateur enfant chez Pierre et Vacances, donc Cap Estérel. Si tu connais Extrême Limite, tu vois où ça a été tourné, et ben sache que j'ai été animateur enfant pendant 2 ans dans ce centre de vacances. Et tout ce qui est animation, les spectacles et tout, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a rappelé cette période. Et ça a fait, du coup, je crois, 20 ans cette année. Donc, c'est un petit peu un clin d'œil de la vie assez, assez original, assez sympathique. L'hôtel, très, très sympa. J'ai un peu regretté, du coup, de pas avoir pris la partie adulte only. Parce que je me suis dit, il y aura moins d'enfants vu qu'on est dans la période scolaire, au début de la période scolaire. Mais il y en avait quand même un peu. Alors, après, c'était pas embêtant. C'est vrai que nous, vu qu'on n'a pas d'enfants, tout ce qui était activité vraiment pour les enfants, etc., on n'en a pas profité. Et c'était un club très famille. Si par contre, effectivement, tu veux y aller en famille, c'est vraiment un chouette endroit. Et je ne peux que te le conseiller. La prochaine fois, on prendra peut-être, du coup, un adulte only ou alors un riad avec des amis.
Et comme je t'ai dit, je pense que, après ça n'est que mon avis, mais c'est bien de partir avec quelqu'un qui connaît déjà. Une petite chose aussi, prévois beaucoup de temps à l'aéroport parce que bah, c'est très très long, les contrôles de sécurité, les contrôles papier, la file d'attente est énorme, c'est vraiment très très long, donc ne sois pas juste dans ton timing, prévois du temps bien en avance, sinon j'ai beaucoup aimé ce voyage, voilà. À peu près 3 heures de vol, ouais 2h50 pour Genève. À peu près la même chose d'ailleurs pour Nice, j'ai trouvé ça un peu rigolo parce que c'est plus près, mais en fait non, on a mis le même temps. Les images dans le ciel, moi j'adore, clairement t'as pu voir dans le vlog de Nice et dans ce vlog là, j'adore filmer en avion, je trouve que c'est trop trop beau. Le côté all inclusive dans l'hôtel était très appréciable pour les cocktails, les boissons et les plats. Le restaurant c'était vraiment pas mauvais, c'était pas exceptionnel, mais c'était loin d'être dégueulasse et franchement je peux que te recommander l'hôtel. C'était le Be Live Experience, je crois que je l'ai noté dans le vlog. Voilà YouTube, je crois que je t'ai tout dit. Si tu as vu mon dernier vlog, mon dernier weekly vlog, tu sais que le retour a été fort compliqué et est toujours, enfin bref t'as compris, fort compliqué pour moi. J'ai d'ailleurs coupé pas mal de passages où je te parlais à Marrakech des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait, tout simplement, dont je n'ai pas envie de m'attarder davantage ici. J'espère en tout cas que ce petit moment, cette petite semaine, ces quelques jours, ces quelques images à Marrakech, pas trop parce qu'effectivement j'ai pas beaucoup filmé comme je te disais, mais en vacances avec moi t'ont plu. Je me réjouis de pouvoir te reprendre une prochaine fois dans nos aventures. En attendant, moi je vais monter cette partie. Si jamais tu envisages un voyage à Marrakech, je te conseille vraiment la vidéo explicative de Delphine qui a fait un travail de malade. Et j'aurais peut-être dû la re-regarder avant de partir, mais c'est vrai qu'il y a plein d'activités qu'on n'a pas eu le temps de faire. Après, on était très limité en temps vu qu'on arrivait le lundi, on est reparti le samedi matin. Et j'ai pas visité les jardins Majorelle, mais ça je crois que je t'en ai parlé dans la vidéo. Ça sera une prochaine fois parce que quasiment sûr qu'on retournera à Marrakech. Voilà, quelques jours en tout cas. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je te conseille d'aller voir la vidéo Delphine, comme je te disais. On se retrouve lundi pour un prochain weekly vlog qui actuellement est à peu près à 10 minutes. Donc on verra, hein, YouTube, s'il y aura quelque chose. Je pense quand même que je vais te publier quelque chose, mais voilà, il ne sera pas très très long. Et vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Voilà, j'étais très très content en tout cas de te prendre sous le bras. J'espère que ces moments t'ont plu. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas évidemment YouTube, de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Et comment te dire qu'en ce moment j'en ai besoin. Donc on s'abonne, on like, on partage, tout ça, on commente, tout ça. T'as compris? C'est bon. J'espère que tu vas bien YouTube. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. We'll be right back.